que vous même priez, que vous vraiment. Nous, on n'a pas la chance avec les hommes. Celle-là, elle a la chance. Elle a trouvé un bon mari, aimant, qui l'adore, qui lui fait des beaux enfants. Que vous, elle a tout dans sa vie. Elle a un mari, elle a les enfants, elle a à manger, elle a l'argent. Mais elle dort à l'église. Elle n'est pas heureuse. Vous connaissez le fond. Voilà la femme d'un supposé pasteur qui sort. Avant de d'écrire son testament, elle tient à informer au monde entier ce qui se passe. Elle dit que je n'ai fait que t'aimer pendant que toi tu n'as fait que me rabaisser. Tu m'as niaise forcée à l'âge de 17 ans. Je t'ai pardonné. Tu m'as épousée 3 jours après le mariage. Tu m'as dosée. Je t'ai pardonné. Quelque temps après, tu m'as humiliée avec tes wakas. Devant, je n'ai rien dit. Je t'ai même encore demandé pardon en public et en privé. Tu me veux quoi? Apparemment, de ce qui se passe, le monsieur aurait pris les enfants de la dame. Il a lui nyongo se cacher en RDC là-bas. Et que là-bas, bref, au Congo. Et que là-bas, la dame n'a pas moyen de rentrer récupérer ses enfants. Il n'a pas prévu même de les faire revenir là où la dame est. La dame doit être au pays de l'oncle Sam. La dame a écrit un long testament pour dire que s'il y a quelque chose, on doit l'enterrer, on doit faire ci, on doit faire ça. Elle dit que ce monsieur pasteur-là, oui, vous qui aimez que... Tu parles comme ça de l'homme de Dieu. Pour vous, l'homme de Dieu est plus sain même que la sainteté. Elle dit que ce monsieur est dangereux. Maintenant, on va passer au piscoué. L'amour que vous voyez là, c'est le nom de Drobidji qui est gâté. Que oh, il est parti mettre la perruque. Le piscoué a dit que sa femme ne l'aimait plus parce qu'il perdait ses cheveux. Il est allé, il n'est pas allé aux États-Unis, ça coûte cher. Il n'est pas allé en France, ça coûte cher. Il est allé aussi mettre les cheveux chez l'incassant là-bas. Il est allé, il a mis les cheveux dans l'incassant. Il dit que maintenant, là, il est moins complexé. Vous croyez que quoi? Bref, je venais vous dire, les filles, que attention à ce que vous faites. Attention à ce que vous enviez. Par moment, ton célibat est mieux que le mariage de quelqu'un. Mais si on t'explique, tu ne dois pas comprendre. À bisous.